Mesdames et messieurs, amis fanatiques TV, la Haïti, comme yo, encore une fois, nous comptons rejoindre dans la deuxième vidéo journée, hein, et que nous portons pour là, sous actualité, sous ce qui a passé dans le pays. Et je dis à la, il y a un sénateur Yuri Latentu, et nous connaissons après Lisa, qui est président dominicain, Luis Abinader, finit la guerre de Yop, qui est 39 autorités haïtiennes mêlées à des gros chefs gang dans le pays. Eh bien, pour parler de point de pied au Saint-Domingue, et je dis à la, dans l'émission Haïti Débat, ancien sénateur Yuri Latentu, monsieur, eh bien, répond à Abinader, et monsieur, il y a une raison qui cause. Eh bien, sanction ça, ou bien d'adou, non tombé dans liste 39 moun sa yo, eh bien, qui pas de mette, point pied yo, en République Dominicaine, parce que yo, jouen neg yo, nan mauvais dossier, de divers chefs gang, et divers autres autorités, anciens et officiels dans le pays ya, eh bien, qui se le neg qui compli, qui implique nan dossier gang, nan dossier armé bandit, nan financer insécurité en Haïti, alors que neg yo prend l'argent yo. Il a investi en République Dominicaine à divers autres pays, alors que la caillou Haïti, c'est là où fait comme dans kidnapping, c'est là où fait comme dans vol, et puis il a dépensé l'autre côté pour faire millions. Mais Abinader là, passé très sous ça, qui donc en 39 mouns n'a pas gagné droit mettre pied au caillou Luis Abinader, sinon, monsieur Abmaré au coup crabe. Et bien, ancien sénateur qui lui même pas été bouché, t'es obligé de prendre micro la presse pour dénoncer. Attaque ça qui fait sur lui comme quoi, mais t'as divers et gros taureaux haïtiens qui eux-mêmes n'ont pas sorti dans le ça, alors que c'est des nègres qui compliquent tout, et donc qui, dans la question financière, gang dans le pays, dans la financière insécurité, alors que n'ont pas sorti dans le ça, eh bien, non seulement, et donc Yuri Latentu dénonce Zach ça, eh bien, nous allons inviter autant de raisons. Qui fait Luis Abinader mette nol dans liste 39 moun sa yo, mais qui c'est des moun qui pas bienvenu la Cali en République Dominicaine. La grande nouvelle nous porter pour vous dans la vidéo ça, et bien la police frappe fort encore une fois un gros coup qui mette moun l'eau dans les yeux, qui mette moun triste, et bien divers en famille gang sa yo que la police pète fiel là, il y a crié, il a brûlé, parce que ben gang sa yo, bandit sa yo, c'est des moun qui tap marché assassiné moun. Tout le monde vole à faire bon, et bien la police qui frappe, base en cocorate sans race, et bien on goto là, on accorde, nous allons inviter au gain détail ou sous tvlakayhaiti.com. Gardez vidéo jusqu'à la fin et surtout abonnez, like, quittez un commentaire, on a tout. Très bien, sénateur Latentu, nous t'es gardé depuis week-end là, nous venons dans la liste, nous que la République Dominicaine interdit pour entrer. Et en République Dominicaine, et j'en ai fait des batailles, j'en ai changé parce qu'il y a plus de problèmes, il y a de monde qui fait comme en Haïti, qui a investi dans l'autre bord. Maintenant, étant donné que nous connaissons ou même nous gagnons ferme dans les Ouganes, qui investit en Haïti, et nous avons un combat qui a mené face à la République Dominicaine, la question, je surtout à chaque fois, nous dit, est-ce que, sénateur Latentu, tu as une réaction particulière par rapport à Nol qui souligne ça? Est-ce que le pensez que c'est suivi qui fait dans le dossier sanctions et pays Canada avec les États-Unis? Ou bien le pensez entre-temps gagner de bagarre en bas, à régler? Très bien, Kampa. Moi, à nouveau, salut. M'a dit que, premièrement, tu fais sur ta. Moi-même, moi, je suis tout simplement en Haïti. Et mon pays dit qu'on peut investir, mais investir au PAN, Port-au-Prince, et Gonaïve. Et actuellement, nous avons une usine que nous avons fait manger pour les poules, mais pour tout le pays, et dans la plaine, malheureusement, la sécurité fait que les crampés. Donc, moi-même, je n'ai pas investi en rien à l'étranger, et moi, je pense que Haïti, son terrain, de vierge à question d'investissement, nous gagnons un peu d'opportunité dans la question d'investissement, parce que l'État n'a pas que, non seulement comme businessman, mais également comme politique, gagnons une obligation pour l'investissement fait la CAI. Ça, c'est pour nous la même chose. Deuxième bagage, moi, je pense que moins sous sanction par rapport à ça, États-Unis, Canada, des grands points. Et moi, normalement, non démarche
explicatif côté témoin manqué ça yo pour qui ça yo hein et si dans l'autre pays qui par exemple quand il de guerre qui relait qui dit que yo font note côté dit tout le monde qui prend des transactions contre les États-Unis du Canada yo même tout yo prend sanction contre eux et toujours pas venir la caillou. Par exemple, mes pays de passage sont des branches objectives. Mm-hmm. Parce que les deux pays qui déjà ont sanctionné, vont l'autre qui nous a dit, par solidarité internationale, le même tout, le prestation sur le même critère-là, et le va du tout la taille. Le conseil ne va pas dire rien, parce que son pays qui porte solidarité à deux pays qui dépassent, et moi-même, je suis dit que. Dès que m'arrivé retirer station dans deux pays qui te bordent, l'autre là l'a retiré. Et si on va retirer, l'autre ça alimente pas pédé. Donc la démarche, ce n'est pas par rapport à moi-même que je prends station, c'est par rapport à pays qui te prend station, le même pour être solidarité. Et c'est peut-être ça, l'Angleterre qui fait ceci, notre là, moi-même, je n'ai pas rien, mais comprendre la question du droit international public. Maintenant, le cas de Saint-Domingue, c'est différent. Dans notre manifeste aussi, il dit que l'hypothèse de solidarité pour transaction contre le monde et pour encore États-Unis et Canada qui étaient transaction contre eux, mais lui-même, il prend l'islam et puis il a fait piquer pour les dans l'islam. Ça veut dire dans l'islam, il retire des mondes, ouais, il retire des mondes et l'idée qu'on va ajouter, l'idée qu'on va mettre des mondes aussi du même niveau. Mais la solidarité que la police a donné, il n'y a pas de droit à faire piquer pour nous là-dedans. Et non aller justement dans la fond question, nous avons des mondes qui conseillent et habitateurs, qui viennent sanctionner au Canada sur eux, et ces mondes sont à diriger l'entreprise. Que Haïtien gagne ce domaine. Donc ça veut dire que bagarre sont question de monde pas. Parce que même ça, non seulement les prestations habitables à l'IP de l'hôtel, mais il évite les prestations pour tout le monde de mettre en division de plusieurs. Donc ça veut dire que gagner un piqué pour les parfaits. Et là, ça piqué pour les là, la question n'est plus objective. La question devient subjective. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements, il n'y a pas de forme de tête, et puis souvent l'islam n'y a pas de tiro, il n'y a pas de tout. Donc moi je pense que cette démarche-là, justement, va être. Et c'est peut-être ça quand même. Mais je dois poser une question comme personnalité. Est-ce que c'est pas par rapport à un précédent que vous venez à la République dominicaine qui fait que vous quittez l'homme dans l'islam? Et là, ça a. Moi, je viens pour moi, je vais dire antécédent. Mais deuxièmement, je viens jeter deux ouverts demain, question minimisée, parce que si elle ne pas répondre à aucun critère pour être objectif, moi, je viens considérer comme une provocation. Je reprends maintenant les antécédents. Moi, songer, l'homme a fait des trucs sénateur Bautista, signé un contrat de 400 millions de dollars avec l'État haïtien. Pour construire des immeubles, pour faire logement, tout le bagage. Et là, on est mal vérifié. 400 millions, c'est ça le chiffre. 400 millions de dollars. À travers trois compagnies, c'était Adam et Adventura. Alors, nous, on est dans le bagage. Et Constructora, Adam et l'autre compagnie. 400 millions de dollars. On est mal vérifié, travail. Moi, j'ai des travaux simplement pour 20 millions de dollars. T'as 400 millions? Oui, 400 millions de dollars. Contrat à eux est signé sous Préval, sous président Préval avec le ministre et le Préval Livre pour ça. 400 millions. Ministre des Livres? Oui. Maintenant, à partir du moment que mon conseil ça, m'a été relé, sénateur Bautista, pas comme sénateur, mais comme entrepreneur, pour moi-même, je me suis posé une question. Et ça te fait pile tollé en République dominicaine. L'homme en République dominicaine, là où est journaliste, Nounia Pera,
pour me et parler de ça avec même menace que me recevoir. Et monsieur autorité était très fâché contre moi parce que je dis que m'a investigué sur un bagage que normalement moi mettait intérêt République dominicaine en jeu. Moi je dis non, c'est pas intérêt République dominicaine, son contrat signé avec un film privé. Moi-même comme sénateur, moi t'as vérifié question et moi t'ai connu mon temps contre moi depuis le sable. La deuxième chose. Gagné soldat dominicain qui était entré en Haïti sous président privé. Haïti débat. Des sénateurs, les peuples ont dit que soldat dominicain, pas cherché et je veux un soldat pour marine haïtienne. Je parlé avec les commandants, qui était un colonel. Je dis, monsieur, que qui est-ce qui est autorisé ici, monsieur Artisan et Nadou Gazier. Et puis, moi-même, je suis les autorités haïtiennes, je me dis aux mes soldats ici, et nous sommes dans 24 heures pour y aller. Laisse ça, autorité dominicaine, je ne suis pas content, mais il faut le dire. C'était le président Medina qui est là. Un mois après, le président Medina a été relevé. Alors, il a fait un conseiller relevé pour que l'idée nous devons parler avec sous question qui était passée. Nous devons parler à conseiller. Nous devons prendre rendez-vous pour que nous devons rencontrer le président Medina. Ok? Et que nous devons dire le président Medina. Mais pour qui ça? Que moi-même, moi devons demander aux soldats d'aller. Ce n'est pas que nous avons un problème avec l'armée dominicaine. Ce n'est pas que nous avons un problème avec le peuple dominicain. Mais tenant compte de l'histoire des deux pays. Ou pas qu'à faire soldat du Minapia comme ça en cachette et que n'est pas acceptable et n'est pas d'un bon coup de vie. Donc, je dis bien, tu comprends et il te explique tout que c'est justement le gouvernement qui était demandé accompagner Edla, rentrer à soldat et le pas prêter. Donc, là, ça, relation, tu es venu faire, on t'y joue, au PQ, on t'y gagne, on t'y venu reprendre. Mais la troisième chose, c'est la question de la paix. Question fermée, mon capteur de mieux, ma vidéo, clair, c'est pas et pas production ferme qui tellement en pile qui fait que nous pas besoin chez eux les plus dominicains. Non, c'est pas ça. La ferme la tortue, c'est un symbole dans la production agricole. Son symbole peut-être nous parler avec ferme et nous encourager toutes jeunes pour que ils ont fait le lever pour nous, ils ont pour que nous arrivions dans 5 ans avec objectif pour nous faire 2 millions d'euros par jour. C'est comme ça. Il y a des gens qui étaient dans la barre là déjà, il y a des gens qui étaient gagné à Haïti, il y a Haïti voleur, les Jamaïcains que nous allons rencontrer, il y a des gens non, des jeunes. Point à loin pour nous ouvrir ferme, la Tibonite, pour nous avoir le bon. Donc, c'est un symbole pour que nous soyons arrivés dans 5 ans, venir autonome dans la question ça. Parce que mon capitaine des mots, nous importé environ 940 millions de dollars de Zelpoul et nous importé 60 millions de dollars de chaque année. Ça fait la question pour avec eux. C'est 1 milliard de dollars d'importation. Pour mon capteur de gros, ça veut dire que nous achetons à l'étranger, particulièrement Dominicani, nous achetons environ 1 milliard de dollars je, avec poule, un bagage que nous avons fait la caille. Et là, nous allons dans l'université de Santiago, où c'est ça, nous avons expliqué le projet avec Haïtien. Et l'homme sorti dans l'université là, je me rentrais, mais je fais un article qui dit le sénateur la tortue est un danger pour l'agriculture dominicaine. Là, ça me dit bien, parce que Nadio Bingo m'expliquait que dans 5 ans, mes côtés n'ont plus d'autonomie, et m'a invité Dominicain, si on voulait venir investir à Haïti, on n'a pas fini tout. Mais là, ça, il y a bien un encadrement, côté que, parce que Jamaïcain, c'est bien Haïti bon. Donc, dominer le capital. Pour le Sahara, je vais y a tout venu en Haïti à des conditions compétitives. Il n'y a pas besoin
à faire ce qui sont domaine de l'Haïti, d'autant plus que produit que vous même vous vendez et aux États-Unis et de Dominicani, ce n'est pas grade A, c'est grade D. Mm-hmm. Alors pour mon capitaine, grade A, c'est le GA de 1 à 5 jours, grade D, c'est le GA de 20 à 25 jours. Donc, ça veut dire que l'étape plus bon, il a produit des œufs plus frais à Haïtien qui t'a pire même s'il te même brillant. Donc, dans ce sens, symbole ça que vous présentez, qui t'a bataille pour l'autonomie, son symbole que vous battez, ouais. Et Nelson Diago, il y a un pile dans l'eau qui retrouve dans le cabinet à l'inadère. Donc, si que question posée, c'est qui qui a piqué pour lui, il y a piqué pour les boulots dans le monde. Moi-même, je dois, par rapport à l'antécédent, ça a posé quelques questions que, par rapport à l'antécédent, et que je dis là, le, il y a une sanction comme ça, il y a une que l'industrie, ça a la paix, il a touché l'empile, parce que il y a un pile produit qui sorti de Dominicani, et mettez-nous bon côté, justement, un pile de gang qui est dans le pays, eh bien, l'ICE, moi, je t'ai dit, en forme d'humiliation, qu'il y a Baou, parce que à aucun moment, moi, je crois que même Baou, tu as réfléchi là, tu as mis des noms, je connais pas ton pas, mais je fais parce que je voulais non seulement craser personnalité, mais craser symbole qu'on représente là, parce que je même, je pensais que laisse ou abandonner, ou aller, ou quitter son affaire, et ou avoir l'autre jour. Le président dit qu'il ferme l'importation de 15 jours pour le bas de Haïti. Son test qu'il a fait pour le bien comment ça y est, comment Haïti a réagi. Et immédiatement après 15 jours, il y a un problème vraiment pour développer. Donc, nous n'avons pas produit suffisamment. Mais c'est Haïti encore même. Il a le campé sous frontière, 4 tonnes de vigne. Et il était très satisfait de tests qu'il fait. Parce que nous avons cela 3 ans. L'industrie agricole là, nous avons produit environ 800 000 œufs par jour. Je dis là, je ne crois pas que nous avons réduit à 50 000 par jour. Donc ça veut dire que là, on vit dans une situation, ça, on vit dans une situation de dépendance totale. Et voilà, et pour ça que je pense que ça serait très subjectif. Je prends par rapport à des mondes qui ont gagné des antécédents avec eux, des différents sur le plan intérieur. Et nous ne pas gagné. Et différents avec eux, ils retirent le nom. Mm-hmm. C'est l'interview là-dessus. Vous m'avez dit qui est intéressé, mais ça a intéressé un pilote non tout. Et on dit que par le passé, en Haïti, il y a un produit par jour 800 000 œufs, mais je dis à vous du 50 000. Et qui s'est passé qui fait que quantité de production et ou bien taux de production, il réduit dans le niveau ça. Ok, bonjour, t'es gagné. Trois grandes fermes. Mm-hmm. C'est bien Haïti Boller, c'est bien Ferme La Tortue, c'est bien Yélé Haïti. Haïti Boller seulement c'est à presque 400 à 700 000 par jour. Moi-même, moi, c'est entre 100 et 150 000 par jour. Et Yélé Haïti, c'était moins, c'était peut-être entre 30 et 50 000. Plus, vous avez gagné un pile en entrepreneur individuel qui au même fait aller entre 1000 et 10 000 par jour. Ok? Soit dans le nord, soit dans le sud, il y a des produits, 5 à 10 000, ou bien 10 à 15 000, qui te fait que le ministère de l'Agriculture te fait sortir. On a pu te mettre nous dans le pot. Mais je dis à Haïti dans le FME, ok? Et ferme député du FME, ok? En pile, entrepreneurs individuels, par exemple, les démonstrateurs Beauvoir, qui te gagne un comité prêté pour te faire ce que tu as arrêté, tu gagne l'autre monde qui n'a pas arrêté, eh bien, à peine si c'est ferme la tortue qui produit 40 000 pour le moment, et 10 000 que vous êtes entrepreneur individuel, quelques entrepreneurs dans le nord, ou bien peut-être dans les plateaux centrales. Mais pas nous perdons la capacité que nous te gagne. Et là, ça a. Il y a 60 millions de dollars seulement d'importation de ce barbe, Mathieu, que nous avons passé, même peut-être dans le premier trimestre, à 100 millions de dollars d'importation
et dans le premier trimestre seulement de l'année dernière là. Donc c'était par rapport à sa trois grandes fermes, il y a des produits que il y a arrivé comptabiliser l'homme justement ce que tu fais par jour. Mais c'est là que tu as eu dessus et entre ceux qui produisent Saint-Domingue et sur le plan qualitatif hein, et avec ceux qui produisent en Haïti, donc qui s'agit en termes de différence hein? Alors moi là, bon, sur le plan qualitatif. Pas de grande différence, excusez-moi, de toute façon, moi-même m'a dit Val, m'a fait publicité pour ce lieu. Je me parle depuis un jour. C'est là dans la peinture. Alors, comment est-ce qu'il y a un bon temps aujourd'hui? Pas de question de publicité. Et si ma la bon que nous dit, parce que je dis, avant de connaître comment tout le monde voit ça, comportement dominicain, c'est un comportement pas connaître. Faut ça montre pour moi même que tout haïtien qui a fait politique dans le pays a, alors les bons politiciens parce qu'il y a des mauvais politiciens que nous arranger nous pour nous ranger pays a, pour que nous même nous ca produire parce que ça a passé là puis il y a un monde garder comme quoi un petit groupe monde yo sanctionné et puis ces pays a prendre service on même pas garder comme ça oui yeah. Merci. Alors pour qui ça me dit ça c'est parce que ça m'a dit là à poser des questions à n'importe qui est-ce que vous avez ce que vous avez. Je nous vends en Haïti. En exemple, disons matin, on vous dit 40 minutes. Mais entre 8h et midi, on vend de ça directement à ma chaîne. Donc, de ça, ce sont les grades A. C'est le ZA. Eh bien, on fait produire. Et puis, il y a de 1 à 5 jours. C'est grade A. De 5 à 10 jours, c'est grade B. C'est grade B. De 10 à 15 jours, c'est grade C. De 15 à 20 jours, c'est grade D. Normalement, après 20 jours, il n'y a pas constaté.